Bonjour à tous et bienvenue sur CB Maths. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice numéro 3 du brevet Nouvelle-Calédonie 2016. Voici l'énoncé. Pendant les vacances, Robin est allé visiter le phare Amédée. Lors d'une sieste sur la plage, il a remarqué que le sommet d'un parasol était en parfait alignement avec le sommet du phare. Robin a donc pris quelques mesures et a décidé de faire un schéma de la situation dans le sable pour trouver une estimation de la hauteur du phare. Les points B, J et R sont alignés. Les droites SB et BR sont perpendiculaires. Les droites PJ et BR sont perpendiculaires. Quelle hauteur arrondie au mètre va-t-il trouver à l'aide de son plan ? Justifiez la réponse. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Donc les points BJ et R sont alignés, SB et BR sont perpendiculaires, PJ et BR sont perpendiculaires. Donc ici, on sait que. Alors, or, de droite, perpendiculaire à une main troisième. Sont parallèles. Donc, conclusion, les droites BS et BJ sont parallèles. Et donc, on va pouvoir utiliser ici le théorème de Thalès. Alors, on sait que les droites BS et PJ sont parallèles. Les points R, J et B sont alignés dans cet ordre. Les points R, P et S sont alignés dans cet ordre. D'après le théorème de Thalès, alors je vous rappelle le moyen mnémotechnique. Donc là, on a les deux droites parallèles. Donc on entoure le sommet R. On va vers RJ, RB, RP et RS. Et ensuite, on prend les points restants, PJ et SB. Donc en fait, nous aurons les rapports suivants. Donc RJ sur RB est égal à RP sur RS, il reste J et P, donc PJ sur BS. Ici, on va s'intéresser à ces deux, ici RJ sur RB, PJ BS, car on sait que RJ est égal à 1,3 m, RB est égal à 34,7 m. Et bien entendu, PJ est égal à 2,1 mètres. Donc ici, on a 1,3 sur 34,7 est égal à, donc ici BS, 2,1 sur BS. Donc ici, BS est égal à, produit en croix, 34,7 fois 2,1 sur 1,3. On obtient, donc après calcul, on obtient 56 mètres arrondis au mètre près. Donc conclusion, la hauteur du phare Amédée est de 56 mètres environ. Voilà, l'exercice numéro 3 est maintenant résolu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMath. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.